What's up les amis, j'espère que vous allez la forme, pêche à pas les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, j'ai reçu un nouveau PC, un PC pas piqué des hannetons comme dirait Amixem. Et oui, j'ai reçu un nouveau PC, et ce PC j'en avais besoin. Comme vous avez pu le voir, j'étais très inactif sur la chaîne, je pouvais rien faire. Eh, mon PC que j'avais avant, il était horrible. Il était horrible, donc je me suis dit, on va mettre un peu de moyens, on va acheter un PC. Et ce PC, c'est un très bon PC. Là, vous pouvez voir juste ici la carte mère. Vous voyez mal, mais voilà. Voilà, c'est un très bon PC. Là, je ne l'ai pas déballé, hein. Je me suis dit, ils vont voir ça avec moi. Tranquillement, on va déballer ça tranquille, tranquille. Allez, c'est parti. D'abord, on va voir le moins intéressant. On va voir ce qu'il y a dedans. Ah, enfin, un couteau. Vous avez de la chance d'y remettre un couteau. Voilà, on va voir un peu ce qu'il y a dedans. Voilà, c'est mieux comme ça. Hop. Minou, fais pas chier. Donc voilà, il y a des petites babioles, un petit peu. Ils sont gentils, ils m'ont donné un petit carton. Enfin, ils m'ont donné la boîte de la carte mère. C'est très rare qu'ils donnent les boîtes. Il a donné une seule, pas plus, parce que j'ai pas pris l'option VIP. Hop. Voilà. Voilà. Les petits autocollants, les CD drivers, pour les drivers. Donc voilà, ici c'est rien d'important. Qu'est-ce qu'il raconte celui-là? C'est pour après. Il parle comme je sais pas quoi. Là. Voilà. Ah, il me saoule déjà. Peu. Ouais, on va laisser ça pour plus tard. Là, c'est pas très important. L'important, c'est la grosse boîte. L'autre là, il fait ses parcours du combattant là. Eh! Oula, oula, oula! Chut, commence pas toi, hein. Eh, ce chat là, c'est une peste. Putain, c'est une peste celui-là. Tout un système. Hein. Voilà. Peggy 18. Hop, il y en a un dedans. Voilà. Voilà, il est pas beau. Il est pas beau, donc comme vous pouvez voir, déjà juste à ça, déjà vous pouvez voir, déjà j'ai pris une carte graphique de chez MSI. Donc voilà, carte graphique de chez MSI. Tu vois, c'est stylé, même derrière il est stylé, putain. Donc voilà, donc là on va enlever les protections. Je vais essayer de faire ça à la. Ah non, ça va être dur quand même. Il faut dévisser ça. Si j'arrive à une main, ah ça va. Ah ça va, parce que d'habitude ils serrent comme des fous. On va éviter de casser. Et je crois que je vais vous mettre ça avec toutes les lumières, tout est allumé, ça va être magnifique. Bon, d'abord, je vais vous montrer les caractéristiques. Donc, ici, c'est une ML120 de chez Cooler Master en water cooling. Je crois que c'est ça. Le processeur, c'est un AMD 2600X. Pour la carte graphique, c'est une MSI. J'ai dit AMD ou MSI pour le. Attends, c'est bien AMD. Hein. Des fois là, je suis crevé, frère. Ça, c'est pire que faire de la course d'or. MSI, carte graphique. MSI GTX 1060. Déjà 1060, c'est bien, déjà 1600. 1060 Gaming X, 6 Go.
L'alimentation, c'est une... Je sais même plus. Ah, j'oublie déjà l'anime. Ça, je vois pas. En tout cas, c'est semi-modulaire. Je crois que c'est une 600 watts. Attention, je vais vous mettre tout à côté, là. Donc, si je me trompe, c'est... Vous avez directement corrigé. Ici, c'est un petit SSD. Ici, là, comme vous pouvez le voir, je sais pas, vous le voyez bien. Vous voyez que dalle. Oh, on peut pas moins voir que ça. L'autre, il s'amuse. Tu t'amuses? Il s'en fout, il s'en fout. Ici, c'est un SSD de je sais plus quelle marque, de 120 gigas. En bas, il y a le 1 Tera. En tout cas, vous le voyez bien. Disque dur 1 Tera. Alors, pour les RAM. Les RAM, c'est des Vengeance Corsair 2666 MHz. Donc voilà, 2. Donc ça fait 16 gigas. Donc voilà, 16 gigas. Ah oui, comme vous avez pu voir la carte mère qui est juste ici, c'est un ROG Trix B450F Gaming. Donc voilà, je crois que je vous ai tout dit là. Ah si, j'oublie quelque chose, excusez-moi. Bon, ah oui, le boîtier MSI Edition. Attendez, je vais vous montrer. Attendez. Hop, MSI Edition, elle est magnifique. Magnifique. On peut même rajouter des ventirades ici. Des ventirades. Oui, des ventirades, j'ai bien raison. Des ventirades. Et ça fait plus joli en RGB. Vous ajoutez quelques ventirades, 2-3. Voilà, pas plus. Et vu que moi j'ai pas pris, bah hop, le montage, le monteur. Le monteur, il m'a mis directement ici, ça me dérange pas du tout. Donc voilà. Donc si vous savez pas les connectiques du 1060 Gaming X, c'est simple. Hop, ici, il y a un DisplayPort. Un DisplayPort. C'est simple. Et ici, il y a un petit HDMI qui est là pour dire, ouais, allez, on rajoute un HDMI. De toute façon, moi, le DisplayPort, ça me suffit très bien aussi. Et hop, un petit DVI. Voilà. Vous savez tout. Là, je vais l'allumer et puis on se retrouve tout de suite. Hé, hey, tu entres dans la boîte? Il s'en fout. Ya. Oui, fais genre, oui. Il se promène, voilà, tu me mets des traces de pâte ici, je te jure. La glace, elle va sur ta gueule. Oui, hésite. En plus, il hésite. Allez, joue. I'm gonna go get some more.